freestyle animalerie, petite vidéo des petits loulous là qui commencent à marcher, ça y est, ils trottinent. C'est leur premier pas, aujourd'hui je leur ai donné leur première petite croquette. J'ai oublié de... Il est trop rigolo, c'est le seul qui est noir, c'est le mouton noir de la bande. Il y a trois petites femelles donc. Ah, elle est trop chouchoute. Oh bah oui, oh bah oui. Dis bonjour à la caméra. Oui, c'est le mâle, c'est l'aîné, hein, c'est le mâle alpha. Donc ils commencent à faire leur premier petit aboiement, chapement. Et puis voilà, ils marchent maintenant, voilà. Ils sont grands, ils trottinent. Hein. Donc je les laisse, j'essaye de les laisser la journée dans l'herbe. Eux, ils ont préféré dormir sous le camion. Les deux là-bas. Oui, c'est la jungle, c'est la forêt amazonienne là. Et puis voilà quoi, il y a une dame qui s'est arrêtée tout à l'heure avec sa fille et elle avait un bébé aussi dans une poussette et puis elle me dit ah, et Tornade elle lui aboie dessus, elle se met donc j'engueule Tornade, elle me dit ouais mais ma fille elle a une fille de 4-5 ans, elle a peur des chiens, je dis oh, attendez bougez pas et puis du coup je lui ai montré le... Je dis attendez j'ai 7 petits chiots là donc du coup bah, la petite elle a craqué. Et puis bah, j'essaye déjà d'en parler, je dis voilà j'en ai 7 à donner, hein, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce qu'ici en plus c'est la campagne, les gens ils habitent un peu. Donc elle me dit ouais mais on a une cour, hein, on a juste une cour avec des graviers, du coup je sais pas si je peux prendre un chien, et puis bah, je lui explique, je lui dis bah non mais attendez un chien, à partir du moment où vous sortez deux fois par jour qu'il a sa petite sortie, il est bien avec les humains, c'est-à-dire qu'un chien ça se domestique, il aime bien le confort humain. Hein. Une fois qu'il a, il a goûté au confort, d'ailleurs, un chien, il apprécie. Hein. Mais en plus, ça va être des petits chiens, donc ça va pas être des gros chiens, ça serait des chiens un peu, bon, qui sont très demandeurs, hein, qui ont vraiment genre des bosserons ou quoi, qui ont beaucoup besoin de liberté, enfin en tout cas d'espace. Mais là, vu la taille de la mère, c'est une petite berger, le père, doucement, doucement avec elle, hey, attention. Rocky, parce qu'il est un petit peu... Alors il joue avec, hein. Doucement, Rocky. Alors entre eux aussi, ils se mangent l'oreille. Ils se mangent... Voilà. Là, ils sont chouchous, là. Je vais prendre des photos et tout. Et voir leur évolution. Faut que je les filme un peu tous les jours, parce que là, ça, à cet âge-là, ça va très vite. Hein. À partir du moment où ils marchent, ils commencent là, je leur ai donné leur première croquette. Ah, j'ai oublié. Ça va aller, ça va. Hop, 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 hop. Bon, bah voilà, freestyle animalerie à suivre avec les chats. Vas-y, dis bonjour à la caméra. Un peu, t'as quelque chose à dire. Voilà, voilà, à plus.